forêt ivoirienne qui était très, très, très riche et encore naturelle. Nous comptons aujourd'hui 42 espèces qui ont disparu de cette forêt qui ne répondent plus à l'appel. Aujourd'hui, la forêt est dégradée par toutes sortes de pratiques, comme on en voit le long des routes, le long des pistes. Aujourd'hui, à la retraite, Akiasi Laurent garde encore le contact avec Mère Nature. Il se martèle toujours ce vieux proverbe indien. L'homme est un élément de la nature et ne pourra jamais s'en défaire. Rien ne laissait présager un tel destin pour cet enfant né au fin fond de la forêt dans les années coloniales. C'est ici, dans la région d'Aboville, à quelques kilomètres d'Abidjan, que son destin va changer radicalement. J'ai fait l'école primaire à Aboville de 1941 à 1943. Mon père était garde forestier. Donc le service forestier central était à Abidjan. Et quand il recevait un étranger, un botaniste français, c'est à lui qu'il fallait s'adresser. Lui-même résidait à Aboville. Donc ce jour-là, un botaniste français, un grand botaniste qui, du nom de Mangenot, qui était allé consulter mon père. Et puis moi j'étais à côté, il a dit, mais qui ça? Il dit que c'est son fils. Est-ce qu'il sait parler français? Et lui a dit oui, il parle français. Puis il m'a donc posé quelques questions auxquelles j'ai répondu. Accompagnant sur recommandation de son père empêché ce jour des chercheurs occidentaux en botanique, le jeune Akiasi était loin de s'imaginer qu'il prenait ainsi rendez-vous avec l'histoire. La rencontre avec les botanistes européens est relatée par le professeur Mangenot dans la préface du livre publié des années plus tard en 1963 par Akiasi et intitulé « Contribution à l'étude floristique de la Côte d'Ivoire et des territoires limitrophes ». En un certain jour du 10 août 1947, Akiasi, que j'étais allé chercher dans son village, s'enfuit avec moi vers notre petit laboratoire. C'était un jeune garçon de 16 ans, taciturne, sachant à peu près lire, connaissant la nomenclature vernaculaire enseignée par son père, mais ignorant tout de la botanique. Je n'avais pas grande confiance dans les services qu'il rendait. Avec Akiasi, j'ai découvert que tout homme, quelle que soit son origine, peut immédiatement accéder aux formes élevées de la culture. Ce professeur me posait des petites questions. J'avais un carnet, je notais. Et nous avons fini cette mission et nous sommes retournés à Abidjan, parti à Salé. Et nous avons traversé la forêt. La forêt surplombait la route. C'était une petite voie qui venait jusqu'à Abidjan. La forêt primaire, la forêt vierge, c'est la grande richesse naturelle de Côte d'Ivoire, la première aussi à avoir attiré les colons. La forêt, ce n'est pas ce qui manquait à l'époque. La forêt ivoirienne était dense et peu exploitée. Le pays comptait 15 millions d'hectares en 1900, contre 3 millions d'hectares aujourd'hui pour 10 fois plus d'habitants. En 1955, c'est au mois de novembre. Et ce jour-là, moi je me trouvais donc dans le laboratoire du professeur Mangenot lorsque les personnalités visitaient le bâtiment. Et le matin, il m'avait donné un travail à faire qui consistait à dessiner une plante. Et j'étais en train de dessiner cette plante lorsque les autorités sont arrivées dans ce laboratoire. Et il passait à tour de rôle. Arrivé là, Oufoué a été certainement intéressé par ce que j'étais en train de faire. Donc il est resté au-dessus de moi. Moi, j'étais assis, il était au-dessus, en train d'observer ce que je faisais. Et puis les autres sont partis dans les autres laboratoires. Et Mangenot les a suivis. Donc Mangenot, ne le voyant pas, est revenu sur ses pas et a vu Oufoué qui était au-dessus de moi. Et il a demandé à Mangenot qu'est-ce qu'il est en train de faire ce jeune homme-là et qu'est-ce qu'il fait ici.
Et Majnou a dit que c'est un cas de conscience, c'est un jeune homme qui est très intelligent, qui a refusé de faire l'école. Mais lui, il a pris, mais il s'est rendu compte qu'il pouvait faire mieux. Mais il ne sait pas actuellement quoi en faire. Alors, Oufouine lui demande, est-ce que si on l'envoie en France, est-ce qu'il pourra faire quelque chose? Majnou lui a dit oui, que c'est lui-même, c'était son intention. Il voulait chercher, si tout pas, une autre solution qui partirait avec lui pour le former en France. On va vous donner une bourse, vous allez partir en France, mais il faut revenir pour remplacer ce monsieur-là. C'est-à-dire, remplacer Majnou. Ah, Majnou a dit, ben oui, mais il en est capable. Peut-être que vous le voyez, il est capable de venir nous remplacer. J'étais parti avec des plantes qu'il fallait étudier. Bon, j'ai fini l'étude de ces plantes-là et les gens ont trouvé ça un peu bizarre que quelqu'un de ce niveau-là puisse faire un tel travail. Et alors ils m'ont dit, bon, on peut pas vous laisser partir avec les résultats du stage que vous êtes venu faire, c'est-à-dire une attestation de stage. Vous dépassez ça. Il faut que vous rédigez une thèse de doctorat d'université. Mon sujet, c'était l'étude floristique de la Côte d'Ivoire et des territoires limitrophes. C'était le sujet de ma thèse. Et c'était donc... c'est concernant toutes les plantes que j'ai étudiées durant mon stage. C'est donc mon sujet de stage. Et c'est sur ça que j'ai travaillé. Jusqu'à 1961, le 21 janvier, que j'ai soutenu. Et donc, le fait d'avoir fait que le CE1 ne m'a pas empêché de braver ces obstacles. Le chef d'État de Côte d'Ivoire proclame la naissance du pays comme État indépendant et souverain. Tandis que tonne le canon, et que de la capitale jusqu'au moindre petit village de Brousse, tout le peuple ivoirien laisse éclater sa joie. Parti en France pour un stage avec le niveau CE1, Akiyasi en revient avec un doctorat d'université. À la cession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance en 1960, il fait désormais partie des premiers cadres du pays. Avant, nous avions les Européens, maintenant, ce sont les Ivoiriens qui gèrent eux-mêmes leurs institutions. Maintenant, les États africains indépendants manquent de moyens pour faire leur travail. La communauté scientifique internationale m'a beaucoup aidé. J'avais la possibilité d'aller où je voulais, venir en Côte d'Ivoire, aller à Madagascar ou ailleurs. J'avais tout le temps le billet, il fallait demander. Bon, donc je suis revenu normalement. En 64, je suis revenu définitivement. Enfin, définitivement, c'est-à-dire que j'avais fini mes études, et donc je venais travailler. Bon, quand je suis arrivé, j'étais affecté à l'Ostom. Et l'Ostom, on avait tous les moyens de faire tout ce qu'on voulait. On avait des voitures pour se déplacer, etc. Donc, je n'ai pas trouvé de différence indépendant ou pas indépendant. C'est aussi les premières missions recommandées par le gouvernement ivoirien. Dans sa nouvelle fonction, deux objectifs lui sont assignés. L'étude floristique de la Côte d'Ivoire, la recherche et la classification des plantes médicinales. La nouvelle mission est d'autant plus urgente que l'urbanisation galopante des régions du pays appelle l'aménagement des espaces verts qui regorgent souvent d'espèces en voie de disparition. Par ailleurs, on constate un désintérêt de la jeunesse pour la médecine traditionnelle et un besoin grandissant d'exploiter les plantes pour la fabrication de médicaments pharmaceutiques. Et dans son jardin botanique, puis dans son herbier, le docteur Akéassi a rassemblé quelques 4000 espèces végétales de Côte d'Ivoire dont se servent actuellement les adeptes de la médecine traditionnelle. C'est l'herbier le plus riche du continent africain.
Or, l'une de ces plantes, de la famille des ulmacées que voici, s'est révélée comme contenant une substance fortement anti-hypertensive. Et des décoctions de sa feuille ont été administrées à des malades de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, le plus moderne d'Afrique. Nous avons introduit également dans ce jardin des plantes médicinales, comme cette plante qui a pour nom Picralima nitida. Et cette plante sert à soigner le palu. On coupe ce fruit-là transversalement. On enlève la pulpe charnue qui est à l'intérieur, qu'on fait macérer dans de l'eau ou bien dans du vin de palme ou un autre liquide que vous voulez boire. On laisse macérer environ une demi-heure et ensuite vous pouvez boire, c'est très amer et ça vous guérit du palu. Pour identifier les plantes médicinales, Akiasi prend contact avec de nombreux guérisseurs, dont seulement 17 acceptent l'offre de collaboration. Si nous vous faisons connaître les plantes médicinales, vous allez en faire des médicaments et vous enrichir, alors que nous, nous resterons pauvres. Et vous pouvez devenir aussi notre concurrent, argumentaient certains guérisseurs. Et je vais donc dans les villages, je demande s'il y a un tradithérapeute. Bon, s'il y en a, il se présente. Bon, je lui explique ce que je fais. Il y en a qui sont d'accord, on le fait. Et ceux qui ne sont pas d'accord, bon, on les laisse tomber. Mais j'avoue que les Ivoiriens du Sud sont très, très, très cachotiers. Ils n'ont jamais voulu donner leur recette, les atiers, baoulé, autres. Mais à partir de Babouaké, Katula et autres jusqu'au nord, ce sont des gens qui sont très ouverts. C'est grâce à eux qu'on a pu faire le travail qui nous a été confié.